Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va aborder l'actualité comme d'habitude. Nous allons aujourd'hui faire les points sur la sortie médiatique du président de la République qui a abordé plusieurs sujets d'actualité dans une interview accordée à la RTNC mais aussi à Top Congo FM. Ça s'est passé au niveau de Goma où il séjourne depuis près d'un mois. Le président a répondu à toutes les questions de nos confrères et on va aussi faire les points sur Matata Ponyo qui s'y retrouve encore dans les collimateurs de la justice, dossier des victimes de la zaïrianisation. On parle de plus de 140 millions de dollars qui Matata doit justifier. Est-ce que ce n'est pas un dossier de trop? Tentative de réponse au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur Martin Fayulu qui envoie les jeunes dans la rue pour protester contre la loi électorale qui, selon lui, ne garantit pas un processus crédible. Il estime également que l'état de siège, c'est une vaste blague. Sur ce plateau, j'y reçois un aîné, un confrère, un brillant, l'un des meilleurs de mon pays, Joël Kadendanga, patron de ce grand journal Impact News, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue, cher René. Bonjour, cher confrère, merci de l'invitation. Je vous demande pardon, je demande pardon à tous les téléspectateurs qui vous suivent, parce que je vous ai faussé compagnie plusieurs fois. En tout cas, vous nous pardonnerez pour ça. Je demande sincèrement pardon. Je suis C'est acté. Alors, avant d'entrer dans les menus de cette émission, Joël Kadé, vous êtes depuis un moment cité pratiquement dans tous les milieux, je dirais politiques et même médiatiques. Joël Kadé, c'est les conflictuels. Joël Kadé, c'est désormais quelqu'un qui profite de ses relations ou de ses acquaintances avec les proches du président de la République pour nuire à d'autres journalistes. Joël Kadé, c'est l'homme qui est devenu rancunier. Finalement, qu'est-ce qui se passe entre Joël Kadé et tous ses confrères qui vous citent? Bon, de toute façon, vous savez personnellement que je n'ai jamais été conflictuel. Donc, ce qui est faux, je ne suis pas rancunier. Je pardonne très facilement. Et je n'ai rien contre personne. Je ne crois pas qu'il y ait également des gens contre moi. Mais il s'est développé à un certain niveau une jalousie et une haine dont je ne sais pas trouver de raison. Il est arrivé que je suis parti à Lubumbashi. Tous les voyages que j'ai effectués. Donc vous allez trouver des journalistes en train de tirer sur vous. Pour rien au monde. Je dis bien pour rien au monde. Vous partez à Lubumbashi chez Katumbi ou chez Kiaboula? Nous avons été invités par la société civile du Katanga, du Haut-Katanga, pour couvrir les actions en rapport avec les développements de la province. Vous êtes parti comme journaliste. Comme journaliste. Et ça a créé des problèmes. Il y a le montage que les gens font sur les réseaux sociaux. Vous revenez le matin, vous êtes au bonhomme DG. 4000 fois, on m'a déjà nommé DG dans beaucoup d'histoires. Alors, ça provoque la jalousie. C'est de leur droit d'être jaloux. Mais écoutez, Hervé, moi je viens du néant. Hervé, moi, j'ai perdu mes parents à bas âge. Et donc, j'ai été élevé par la grâce de Dieu. Alors, si vous combattez Joël Kadé, vous ne le combattez pas. Vous combattez l'œuvre que le Seigneur Dieu seul a construite. Et moi, je connais ces dieux. Il est le Dieu des choses achevées. Ce que je suis aujourd'hui, je suis l'expression matérielle de la bonté et de la grâce de Dieu. Alors si les gens pensent que je peux profiter, je ne suis proche à aucun proche du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Si je fais mon travail, si quelqu'un peut approcher mon journal, c'est sur base du travail que je fais, c'est sur base de ma compétence, c'est sur base de mon expérience. Ce n'est pas quand même facile dans cette profession, faire 23 ans sans avoir fait le cachot, sans avoir fait la prison. Donc c'est pas donné à tout le monde. Et donc, tout cela, ça ne peut... Et quand le Seigneur, quand vous regardez à Jésus-Christ, le regard rayonne de bonheur. Et par conséquent, les gens peuvent croire qu'on a beaucoup. Et peut-être, on a tout simplement appris à vivre du peu qu'on a. Parce que le Seigneur nous a appris à vivre aussi bien dans l'abondance, tout comme dans la disette. Et je puis tout par celui. Alors, j'ai lu ce matin sur votre page Facebook... Vous annoncez une plainte contre certains journalistes. Alors moi, je me pose la question de savoir. Depuis un moment, je constate qu'il y a la montée en puissance des invectives entre journalistes, les journalistes qui s'insultent par médias interposés. Il y a même d'autres qui disponibilisent leur plateau pour insulter les autres. Il y a Bossembe qui a été aussi victime de ces insultes, de cette intolérance. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre sphère médiatique? Non, le problème, c'est que les gens voulaient qu'on soit... Je puis peut-être... je vais y aller... par une figure. Les gens ne voulaient jamais nous voir, nous là aussi,
Bosembe moi et tant d'autres, allez aussi à la cité de l'Oya. Les gens pensaient vous trouver toujours à Matongela. Donc vous n'avez pas le droit d'arriver à la cité de l'Oya. Vous n'avez pas le droit d'arriver au palais de la nation. Donc c'était leur chasse gardée. Alors du fait que aujourd'hui on va quand même Bosembe, et je puis vous avouer, je suis, c'est pas parce que je suis sur sa chaîne. J'ai appelé deux trois confrères, je leur redis pour ne pas le citer, mon jeune frère Eric Ouemba. Je lui ai dit, voyez les politiciens, ils vont passer. Depuis que je suis journaliste, au Katanga, j'ai trouvé, c'était le gouverneur Tade Ngoï Mouloumé. Après Tade Ngoï, je crois, Kyungu est revenu pour quelques temps, et puis c'est Gaëtan Kakoudji. Après, c'est Katumba Mwanke, dans le cabinet de qui j'avais travaillé. Après Katumba Mwanke, il y a eu Mouyumba Ndoubla est resté quelques temps. Et après, c'est Ngoï Moukena qui est venu pour, notamment, katanganiser Joseph Kabila. Après Ngoï Moukena, il y a eu Kisula Ngoï. Après Kisula Ngoï, il y a eu Katumbi Moïse. Mais voyez combien de gouverneurs j'ai vu passer. Et de tous ces gouverneurs-là, je crois 3 ou 4 sont déjà morts. Donc, Tade Ngoï Mouloumé, il est déjà mort. Katumba Mwanke, il est déjà mort. Qui encore? Kisula Ngoï est déjà mort. Gaëtan Kakoudji est déjà mort. Donc, 4. Voilà combien de politiciens nous avons vus passer. Mais moi, je suis toujours journaliste. Je suis frère, je suis ami à ceux qui ont été leurs attachés de presse. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons bien avec tout le monde, Myriam par exemple. Je parle bien avec Mamina Massengo qui est aujourd'hui attachée de presse du gouverneur du Haut-Katanga. Je parle très bien avec... Donc, vous comprenez, tous ces politiciens vont passer. Mais Christian Bosembe sera mon frère. Eric Ouemba sera mon frère. Pius Romain Roland sera mon frère. Et le jour où je vais mourir, Pius Romain Roland viendra à mon deuil. Il n'enverra pas seulement la contribution. Vous comprenez? Il viendra, il passera lui-même 4 ou 5 jours dehors. Mais les autres politiciens là, ils vont envoyer leur contribution. Ils ne viendront même pas. Mais Eric Wembadjo, Pere Louara, passera 4 ou 5 nuits dehors à cause de moi. Il va mobiliser les moyens pour m'enterrer avec dignité. Il ira jusqu'à me voir jeter dans les caveaux avant de rentrer chez lui. Et il va rentrer chez lui peut-être que tard la nuit. Ce qui est différent. C'est ainsi que ceux qui ont fondé cette profession, nous nous appelons confrères, consoeurs, parce que c'est une famille. Et quelqu'un qui ne le comprend pas de cette oreille-là, c'est son problème. Moi, je n'ai rien contre personne. Je dis bien rien contre personne. La presse est divisée aujourd'hui. Il y a certains journalistes qui sont aujourd'hui estampillés tshisekédistes et il y a d'autres qui sont estampillés katumbistes. Alors finalement, est-ce que vous honorez cette profession par cette manière? Hervé, je vais vous dire ceci. Partout au monde où le métier existe, le journaliste a le genre. Il y a le genre. Ce n'est plus ISTI comme à l'époque, Institut supérieur de technique de l'information. Aujourd'hui, c'est l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Donc, il y a d'un côté l'information et de l'autre côté, il y a la communication. Donc, il y a ceux qui donnent l'information, il y a ceux qui communiquent. L'information est gratuite, la communication est payante. C'est cette différence d'abord qu'il faut faire. Des deux, il y a le genre journalistique. Par genre journalistique, vous avez le reportage, vous avez l'enquête, vous avez l'éditorial, vous avez les investigations, vous avez le billet, vous avez la chronique. Donc, vous pouvez faire une chronique, c'est scientifique, vous relevez les faits, vous les exposez. Un éditorial, vous prenez fait et cause, vous prenez un penchant. Et quand je viens sur votre plateau, comme maintenant là, je n'y viens pas comme journaliste. J'y viens comme analyste politique. J'y viens comme éditorialiste. Et par conséquent, je vais devoir prendre fait et cause pour un courant politique dans mon pays. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 4 courants. Malheureusement, chez nous, il est difficile que les gens se définissent par courant, par idéologie. Les gens s'identifient par rapport aux individus ou à leur tribu. Nous avons un courant, par exemple, de Fayulu et Mouzito. Vous avez le courant katumbiste. Vous avez le courant tshisekédiste. Vous avez le courant kabiliste. Alors, quand mon
on analyse, s'oriente par exemple vers la défense de Kabila, c'est facile que les gens disent que je suis kabiliste. Et à ce niveau-là, il n'y a que des ignares, passez-moi le mot, excusez-moi, qui ne savent pas l'identifier pour coller aux gens les qualificatifs, pour coller aux gens les istes. Chacun de journalistes, analystes, éditorialistes a un penchant. Et ce penchant, c'est ce qu'on appelle l'éditorial. Ça dévoile très bien la ligne éditoriale d'un média ou d'un journaliste. On va prendre les menus de l'éditorial. Mais parce que vous avez parlé de la plainte, oui, je vais porter plainte. Contre qui? Parce que j'avais accepté la décision. La décision n'avait pas été coulée à force de la chose jugée. C'est cette manière qui dérange aujourd'hui. Il y a le président de l'Union nationale de la presse. Connu ça. Non. Le président de l'Union nationale et le secrétaire général qui vont rendre directement la décision publique. Mmh. Alors que je n'avais pas encore recouru à tous mes moyens de recours. Et j'ai pour cela, conformément au statut, 30 jours. Très bien. Mais ils l'ont fait pour me salir. Et pour découvrir ces caractères de nuisance, avant-hier, j'étais d'Abosso Lona Politique. Il avait annoncé qu'il allait reconduire l'équipe. J'arrive, je trouve un jeune homme qui vient dire à Israël, non, je ne peux pas intervenir parce qu'il n'est pas journaliste. Prince Epengue, il est journaliste avec qui nous avons été sur le plateau. Maître Richard Pinda, était-il journaliste avec qui nous avons été sur le plateau comme co-débatteur? Il y a dans l'émission, peut-être dans les émissions de journalistes, mais pas une émission fourre-tout où tout le monde vient, vous allez, et si moi je viens pour faire ma communication d'abord sur la politique, je vais faire la communication. Je ne vais pas la faire comme journaliste. Donc, vous voyez le degré de haine, le degré de nuisance que développent les confrères qui sont jaloux de ma personne. Ça commence à devenir dangereux. Non, mais ce qui est vrai, cher ami, ce qui est vrai, je vous ai dit au départ que ce que Dieu commence, il l'achève. Je viens du néant, je n'avais ni père, ni soeur, ni mère, mais moi j'ai connu Dieu venir payer les frais scolaires, les frais académiques. Physiquement, Dieu a porté la chair humaine pour intervenir dans ma vie de la même manière qu'il était intervenu dans la vie de Élie. Donc, croyez-moi, ce que Dieu a prévu pour moi s'accomplira certainement et les ennemis seront utilisés même à mon bien selon qu'il est écrit. Quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose à sa faveur même ses adversaires. Vous vous rentrez dedans, mais malheureusement, là, au niveau de la présidence, aucun de vos reporters réalisez le contraste. Ni Impact News, ni ni mon ami Denis Kand. Donc, regardez le contraste. Et pourquoi vous regardez le contraste? Non, mais une jalousie qui ne se justifie pas. Très bien, on va entrer dans les menus de l'émission. Matata Ponyo, le sénateur, qui est de nouveau dans les collimateurs de la justice, dossiers aérianisation, on parle de 140 millions de dollars. Finalement, est-ce que Matata Ponyo est devenu l'homme à abattre pour le régime, l'actuel régime? Je pense l'avoir dit sur un autre plateau que le vôtre. Moi, j'avais acclamé, sincèrement, l'ancien Premier ministre. Lorsqu'il a entendu qu'il y a des tractations contre sa personne, il était en Guinée. Il est conseiller aujourd'hui du président de la République guinéenne, d'Alpha Condé. Mais le Premier ministre a décidé, il s'est dit, moi, je rentre au pays, je vais affronter la justice. Ah non, ça, je le trouvais formidable. J'ai vraiment aimé. Mais que le député et les sénateurs se soient battus pour refuser d'autoriser l'instruction de son affaire, c'est là où j'ai trouvé que ça biaisait. Mais maintenant, au niveau que les sénateurs qui ont commis une gaffe, qui ont commis une bêtise, au lieu de rester à ce niveau-là, ils vont monter la contre l'Assemblée nationale au sujet de Jeep. Mais malheureusement, comme nous sommes un peuple naïf, facilement manipulable, dans l'opinion par une communication bien ficelée, tout le monde a tourné les yeux vers les 26 millions de Jeep qui ont été prises à crédit au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui ne concerne pas le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, une affaire qui concerne l'Assemblée nationale qui jouit de son autonomie financière au regard de textes qui la régissent et
On a commencé à parler de Dieu. Et tous les plateaux étaient inondés de gens. Tous les réseaux sociaux étaient inondés. Pour qu'on taise l'affaire carte Visa. Pour qu'on taise l'affaire Bukangalonzo. Pour qu'on taise l'affaire du détournement pour lequel Matata Ponyo a été poursuivi. Mais là aussi, nous devions relever une chose. Et dans les réquisitoires, premier réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle, il y a eu aussi quelques dérives. Parce qu'en fait, le procureur, la première chose qu'il doit demander, c'est que la plénière du Sénat autorise l'instruction de l'affaire. Et lorsqu'il est établi que la culpabilité est prouvée, c'est alors qu'il peut maintenant solliciter la demande de l'autorisation de poursuite au niveau de l'Assemblée. Et cela, il doit le requérir au niveau de la Cour des cassations pour que l'ancien Premier ministre soit placé en résidence surveillée. Et peut-être c'est au regard de ces impairs que les sénateurs ont trouvé qu'ils n'étaient pas bien séants de livrer leurs collègues. Mais sinon, il n'y a, moi je ne vois pas une chasse à l'homme. Vous savez, chers confrères, c'est comme je le disais hier, le pays a été, la mafia, le vol, la corruption, la fraude ont été établis comme mode de gestion dans ce pays. C'est-à-dire les gens se sont organisés pour ne pas manquer de l'argent. Les gens se sont organisés pour mourir riches. Vous avez appris l'affaire des 32 millions de la SNL. Vous avez appris l'argent que ma tante devait pour la construction de 1000 écoles par an. Moi, j'ai fait l'intérieur. Allez à l'intérieur, montrez-moi une seule école qui a été construite sous ma tante. Les routes, la SNCC. Il est allé nous acheter les wagons et les voitures, les locomotives, des vieilles carcasses. Et on a mis tout simplement la peinture. Et quand c'est arrivé à la SNCC, ça n'a jamais été rendu opérationnel. Kimpavita Lumumba. Kimpavita Lumumba. Kimpavita, le premier vol qu'il effectue pour Isiro, directement bloqué. Donc vous comprenez que, et dans tout ça, il y avait des conflits d'intérêts. Je vais vous dire une chose. Nous sommes dans ce pays ici, les blancs sont partis. Mais nos frères noirs qui nous ont dirigés, ils ont développé le système de nous coloniser. Mais eux, leur colonisation est tellement sadique, elle est tellement méchante, qu'ils se sont organisés pour avoir des entreprises dans tout le domaine. Aujourd'hui, les Kabila vous vendent même la tomate, même le piment, qu'on pouvait laisser aux mamans maraîchères. Ils sont partout. Je vous dis, dans les mines, dans le bois, dans... Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo... chez le général John Numbi, mon frère. Les touristes, ils ont tué les jardins zoologiques pour s'acheter eux-mêmes les animaux féroces, les installer chez eux et commencer à faire payer. Nous, quand on grandissait à Lubumbashi, on allait regarder les lions aux eaux de Lubumbashi. On allait regarder les crocodiles. Mais aujourd'hui, aller dans ces eaux. Et tous ces eaux ont été privatisés. Plus rien. Aller dans les parcs. Et tous ces parcs ont été privatisés. Et ce sont eux, pour voir mettre un petit lion, il faut aller à Kingakati. Quelle méchanceté. Alors ici, au jardin zoologique, il n'y a plus rien. Ils ont... Les léopards mangent des biscuits. Ils ont développé des pratiques illicites dans le secteur de l'économie. Le monopole, par exemple, pour l'importation de poissons chinchards, appelés communément... Piodi, Thompson. Et c'est Thompson là, quand vous descendez en Namibie, le prix n'a jamais évolué. Mais ici, le prix a été pratiquement rendu, il a été élevé au centuple. Tout simplement pour faire souffrir la population. Et pour avoir ils opèrent également ce qu'on appelle la rétention des stocks. On crée la spéculation sur le marché. Les biens et services augmentent le prix et ils envoient leurs communicants robots dans les médias pour vous apporter le papier. Au début de chaque émission, on vous dit la boîte de tomates coûtait du temps de Kabila 2000 francs.
Mais maintenant, elle coûte 12 000 francs. Il faut que Kabila rentre. Ils sont qui? Des communicants robots. Oui, des communicants robots. Alors, aujourd'hui, et puis, ce sont eux qui vendent ça. Ils ont imposé le monopole. Il y a une entreprise encore de Kabila qui est en train d'opérer la pêche dans les eaux congolaises et dans la haute mer. Et cette société a signé, cette société a signé avec la DGDA un contrat pour payer combien à l'État comme droit de douane? Combien? Un dollar symbolique. C'est de la méchanceté, ça. Un dollar symbolique. Mais il prend les mêmes marchandises là, il vient les mettre sur le marché au même prix que d'autres commerçants. Donc la concurrence de l'AEL a violation de la loi portant concurrence et liberté de prix sur le marché adoptée en 2018. Donc vous comprenez un peu. Et toutes ces choses-là, qu'on ne poursuive pas, papa, qu'on tourne la page, qu'on ne fouine pas le passé, qu'on laisse les riches devenir toujours riches et les pauvres toujours pauvres. Or, il y a moyen qu'au niveau, quand le chef de l'État a envoyé son enquête au niveau de la Namibie, c'est là on a découvert tous les cadavres placés dans les placards. Et les négociations ont été menées avec le ministère, la FEC et le ministère de l'économie nationale. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui les gesticulations de la FEC avec Yuma à la tête? Mais écoutez, mais Yuma travaille pour une cause. Yuma travaille pour le retour de Kabila au pouvoir en 2023. Et celui ou celle qu'on prépare, c'est Maman Olivier de Kabila. Et pour qu'ils aient le discours en 2023, il faut d'abord que les Congolais meurent aujourd'hui. Il faut aujourd'hui que les Congolais puissent mourir et de faim et de la guerre. Et je peux ouvrir une parenthèse si vous permettez. Allez-y. En ce qui concerne l'Est, et vous avez vu depuis un temps, les communicants de Moïse Katumbi s'apesantir sur l'Est. Qu'est-ce qui se passe? Chaque communauté dans l'Est de la RDC, chaque communauté, c'est une enquête que nous venons de faire, a son groupe armé. Les Bafuliro, les Bashi, les Lendu, les Emma. Chaque communauté a son groupe armé. Et les groupes armés étrangers qui viennent, ils vous viennent de l'étranger. Et nous avons la pause, j'ai oublié exactement le nom. Donc les Nandi de l'Ouganda, lorsqu'ils viennent chez nous, ils trouvent un dispositif d'accueil chez leurs frères qui sont chez nous. Par exemple, je prends au hasard, par exemple les Nandi. Et ils s'installent. Ils apportent les moyens, munitions et consorts. Ils préfinancent l'exploitation minière. Et tous les groupes armés, là, vous n'allez pas les entendre, on parle, non, là où c'est sec, non. C'est là où il y a des gisements miniers. C'est là où ils s'installent, c'est là où ils exploitent. Et tous ces groupes armés ont leur relais ici à Kinshasa. Les députés nationaux et certains membres des mouvements citoyens qui sont membres ou ressortissants de ces ethnies-là. Et ici maintenant, quand ils exploitent, ils vendent aux Rwandais, ils vendent aux Ougandais. Et quand vous allez dans l'est de la RDC, vous allez voir que le long de la frontière, il y a des raffineries. Ce sont eux qui fournissent au Rwanda l'or, les cassiterites, ainsi de suite. Mais maintenant, il suffit que le chef de l'État tende la main à Kagame, il crie. Et pourtant, ce sont eux qui sont très proches, très intimes avec les Rwandais, qui sont très proches avec les Ougandais. Très bien, et on va évoluer. Ils sont dans une sorte de confrontation et quand ils tuent, ils opèrent les massacres qui revendiquent. Parce que dans les mouvements terroristes, quand vous tuez, quand vous prenez en otage, il faut que vous revendiquiez. Mais maintenant, leur relais se trouve ici à Kinshasa. Et vous allez voir immédiatement, à peine les massacres opérés, vous avez les journalistes ici à Kinshasa, vous avez les activistes des droits de l'homme ici à Kinshasa, vous avez les députés ici à Kinshasa qui vous balancent ça dans les réseaux sociaux. Donc vous voyez leur relais, ça se trouve ici à Kinshasa. Et tous ces, la plupart des députés ici, ils vivent sur le dos de cette exploitation minière que l'on considère comme l'économie criminelle transfrontalière. Alors revenons sur Mata Tapone pour boucler également cette affaire. Est-ce qu'après les ratés de la levée de ces immunités dans l'affaire Bukangalonzo, maintenant qu'on parle des victimes de la zaïrianisation, le Sénat est déjà en vacances parlementaires, je crois. Quelle est l'attitude que Bahati Lukwebo doit prendre cette fois? Mais vous savez, il a été aussi indexé comme étant responsable de ces ratés. Oui, bon, non seulement qu'il a été responsable, mais Bahati également fut un de poumons, fut un de maillots le plus important. Est-ce qu'il ne se sent toujours pas redevable vis-à-vis des Matata? Non seulement qu'il se sent redevable, il a été son ministre de l'économie. Du budget également, je crois. Il a été ministre du plan.
Il a été ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Et quand vous allez également vérifier dans ces placards qu'il a laissés, il y a aussi des cadavres qui sont pourris là-bas. Donc chacun a ses Ce développement de complicité est lié réellement à la solidarité qu'il témoigne à Matata pour le protéger, pour le couvrir. Ce n'est pas parce que Matata est sénateur, mais c'est parce qu'il sait que si on projette plus loin la chaîne, lui, il sera également pris. Et c'est ainsi que vous trouvez, il y a une sorte de développement de solidarité envers son ancien premier ministre, de telle sorte à ce qu'il ne soit pas livré à la justice. Mais, mon cher ami, il reste combien d'années pour ce mandat? Il ne reste que 2 ans et demi. Il ne reste que 2 ans. Matata finira son mandat. Sera-t-il réélu? Question mark. Sera-t-il réélu? Ok, il est réélu. Il n'est pas, pendant le moment de validation de mandat, ne peut-on pas mettre la main sur lui? C'est pourquoi moi je vous disais tout au départ que moi j'avais aimé quand il avait accepté de collaborer avec la justice. Et d'ailleurs, si j'avais été son conseiller, moi je lui demanderais. Parce que ce ne sont pas les médias qui vont le laver. Ce n'est pas de la presse qui va le laver. Il n'y a que la justice qui pourra le laver. Il peut aller en justice, collaborer avec la justice. Parce que quand vous collaborez avec la justice, vous pouvez obtenir les circonstances atténuantes. Mais il s'est dit prêt à collaborer avec la justice. Mais pourquoi ses collègues sénateurs bloquent l'affaire? Mais lui peut aller se livrer. Lui peut accepter de la même manière qu'il a quitté la Guinée pour entrer ici. Il peut décider. Caméra, qu'on sort, monsieur, vous m'accompagnez. Je vais répondre aux questions du procureur général près de la cour constitutionnelle. Très bien. Vous répondez vous-même. Si il faudrait qu'on vous traduise devant la cour constitutionnelle, on vous traduit, vous plaidez, vous établissez votre innocence et vous êtes dégagé. Parce que ce que je vous demande, il faudrait que Matata respecte quand même sa progéniture. Il ne faudrait pas que Batou, dans 2 ans, 3 ans, va banda koloba, papa na bango, koko na bango, azaka mouibi. Et l'unique moyen de le faire, au lieu de laisser les gens, c'est de se rendre à la justice. Il peut se rendre. Très bien. Il peut répondre seul. Et on aura fini cette affaire. Alors, rapidement, nous touchons déjà à la fin de l'émission. Prenons l'entretien que le chef de l'État a accordé plutôt à Top Congo et à la RTNC. Le président a abordé plusieurs questions d'actualité. Covid-19, Jeep des députés, son salaire. Alors, en gros, d'abord dans les dossiers Jeep des députés, le président a été clair. Ce n'est pas un don venant de lui, ce n'est pas également un crédit que le gouvernement va prendre en charge, mais c'est une affaire qui ne concerne que l'Assemblée nationale qui jouit d'une autonomie financière. Est-ce que le président n'a-t-il pas pris à contre-pied Mbosso et les autres députés? Mais Mbosso, c'est un son illicitement pris. Celui qui engage aujourd'hui vis-à-vis des tiers le porte-parole de l'Assemblée nationale, c'est le rapporteur. Le rapporteur a dit, c'est un crédit et c'est un processus qui avait commencé depuis Mabunda. Mais Mabunda, à ce moment-là, on avait, comme le gouvernement FCC Cash avait décidé de clochardiser les députés et sénateurs, c'est ainsi que le dossier n'avait pas évolué. Mbosso arrive, il trouve le dossier sur la table. Il accélère pour mettre quand même les députés dans les conditions minimales de travail. Parce qu'il y a des députés, vous en connaissez, qui n'ont que des quêtes. Il y a des députés qui venait là à l'Assemblée nationale, à moto, tu couvres le Parlement, je couvre le Parlement, on le connaît, et le gouvernement met à la disposition de l'Assemblée nationale la somme que l'on appelle une dotation. Et l'Assemblée nationale gère cette dotation d'une manière autonome. C'est pourquoi on regarde l'article 39-40, le bureau établit dans les 15 jours qui suivent un rapport financier détaillé qui est discuté au niveau de la plénière et lorsque la plénière l'adopte, ce rapport-là est renvoyé dans une commission constituée outre des personnes qui ont participé à la gestion pour établir s'il y a eu des infractions ou pas, s'il y a eu détournement ou pas. Et on rentre encore en plénière. Et donc, c'est sur base de cette dotation que le bureau Mbosso
a conclu un accord avec une banque ici locale, laquelle banque a accepté de donner de l'argent au bureau, et le bureau a contracté a pris cet argent. Il est allé chez un concessionnaire qui a accepté de donner les 500 jeeps. Et pourquoi on a voulu mêler les présidents dans cette affaire? Non, le problème, c'est les sons. C'est les sons qui étaient sortis. C'est pourquoi moi j'ai dit, heureusement que le président nous a rejoints dans ce que nous avions dit au départ. C'était juste pour détourner l'attention du peuple sur le véritable débat. On a voulu occulter le véritable débat relatif aux cartes Visa, relatif aux différents détournements, relatif au travail qu'abat l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinghetti. Et parce qu'on a voulu occulter cela, on a tourné notre attention vers l'Égypte. Oh, l'Égypte, ça, je ne minimise pas, 26 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est un grand investissement qui peut, c'est au moins 26 kilomètres. Mais on a voulu juste occulter le véritable débat. Très bien. C'est ainsi qu'on dit non, c'est le président qui a donné, c'est le président qui a corrompu. C'était dans l'optique d'une diversion, tout simplement. Le président ne fait pas confiance à l'AstraZeneca. Alors pourquoi il a accepté que la campagne de vaccination soit lancée? Bon, vous savez, il y a eu beaucoup de recherches. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que... Parce que les vaccins, quand on doit vous le mettre dans le corps, il doit vous permettre de vous immuniser. Mais après les études, on s'est rendu compte que le vaccin tel qu'administré, il est à titre expérimental. Donc on a pris toute la communauté mondiale comme des cobayes sur lesquels on est en train d'expérimenter la capacité du vaccin à stopper les virus à corona, le coronavirus. Mais alors, ces rapports-là lui sont parvenus. Donc, au fur et à mesure que ça évolue, on peut évoluer également dans la défense de son peuple. C'est ainsi que, au départ, il était pour les vaccins, mais aujourd'hui, il a réalisé que les recherches qui sont menées, les résultats qui sont produits, font en sorte qu'on opte pour un autre vaccin plutôt qu'un autre. Là, c'est en fonction de l'évolution de la situation. Le président dit qu'il n'est pas connaître son salaire. C'est quand même une déclaration qui dérange l'opinion. Comment le président peut dire qu'il ne connaît pas son salaire et en même temps, il dit que ce n'est pas exorbitant? Est-ce que... Non, il y a un problème. Vous savez, depuis qu'il est là, il n'y a pas eu changement du budget. Et le budget que l'on est en train d'exécuter aujourd'hui, que le gouvernement Samalou Kondé, c'est un budget qui a été présenté par le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Et le budget est préparé en amont par les établissements publics et les services publics. Donc aujourd'hui, si vous partez à partir d'aujourd'hui ici, dans tous les ministères, il y a une commission du budget qui a été mise en place, qui est en train d'élaborer le budget dans chaque secteur. Okay. Et ces secteurs-là font leur rapport, ont fait une jonction au niveau du gouvernement. Et c'est le gouvernement maintenant qui va mettre tous en symbiose pour venir à l'Assemblée au mois de septembre et présenter le budget. C'est ainsi que vous avez entendu le combat de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund qui a dit qu'il faut qu'on réduise le train de vie et lui-même l'a dit. Alors qu'aujourd'hui le président vous dise que son salaire, c'est une réponse totalement politique. Qu'il vous dise que mon salaire c'est 30 000 dollars, c'est 21 000 dollars. Ça va encore susciter un débat. C'est 16 000 dollars. Et que on va maintenant prendre son salaire et le comparer à celui de l'enseignant, le comparer à celui du militaire, notre débat va encore sur les jours. De policier, et ça va enflammer la toile. Très bien. Mais alors, comme c'est un homme sage, il a préféré nous dire son salaire n'est pas exorbitant, mais lui-même ne connaît pas son salaire parce qu'il ne s'en occupe pas. Son problème, c'est le travail pour ce pays. Vital Kamerhe, c'est un homme sérieux. Il peut encore jouer un rôle déterminant dans ces pays. Est-ce que pour quelqu'un qui défend l'état des droits, pour quelqu'un qui défend les valeurs, prendre position pour une personne qui a été condamnée pour détournement, ça ne fait pas de lui ou ça ne les place pas en mauvaise posture vis-à-vis de ses propres valeurs? Non, écoutez, il y a séparation de pouvoir. Le président fait partie du pouvoir exécutif. Il n'est pas du pouvoir législatif ni du pouvoir judiciaire. Et émettre un avis par rapport à un allié dont les qualités sont connues,
Parce que qui ne reconnaît pas dans ce pays que Vital Kamerhe est intelligent? Qui ne reconnaît pas dans ce pays que Vital Kamerhe, c'est un animal politique capable encore de poursuivre la course? Alors, et le reconnaître, ce n'est pas un péché. Et moi, je vous dis, les quelques fois que j'ai eu à rencontrer le président de la République, c'est un homme de très sincère. C'est un homme de très ouvert. Je puis aller plus loin pour dire qu'il est sentimental. Donc, c'est un humain. Ce n'est pas comme les gens que nous avons connus l'autre fois. Hein? Il est devant, sa femme lui tient par la main. En public, il rejette la main de sa femme. Mais le président de la République, c'est quelqu'un de sentimental, c'est un humain. Hein? Son épouse lui tient par la main, il lui fait une bise sur les lèvres. Donc il nous montre qu'il est normal, qu'il est un homme normal. Ce n'est pas un monstre comme ce que nous avons vu dans ce pays. C'est pas un monstre. Donc il peut également se relever le matin comme ça, se réveiller, son épouse fête son anniversaire et lui faire une surprise. Donc c'est quelque chose tout simplement de montrer que c'est un humain. Kamerhe reste son ami. Et Kamerhe reste son beau frère. Très bien, on a largement dépassé en une minute. Fayulu s'est dit contre la loi électorale, il va envoyer les gens dans la rue pour protester contre cette loi qui ne garantit pas un processus électoral crédible. Il estime également que l'état de siège, c'est une vaste blague. On veut juste étouffer les libertés des citoyens. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai vu le beau-frère d'Asselo, d'ailleurs, qui est même pris en charge par le ministre de l'Intérieur. C'est marrant cette histoire. Non, le beau-frère du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Prince Epengé. Hein? Vous savez qu'il vit du régime, mais il tire sur le régime. Mais comme on a un peuple... Ouais, c'est la politique, mais ça n'a rien à voir avec la famille. Oui, ça n'a rien à voir avec la famille. Mm. Mais toi, tu bouffes là-bas. Toute ta vie dépend de là, mais tu tires et puis tu traînes les gens contre ce régime-là. Alors que tu en es bénéficiaire. Non, mais c'est malhonnête. C'est vraiment malhonnête. Bon, ça, c'est pas mon problème. Je l'ai vu avec 20 personnes à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, j'étais à l'intérieur. Je suis sorti pour couvrir l'événement. Alors, comme ils étaient un peu en train de s'agiter là, j'ai vu juste une Jeep arriver. Papa. En tout cas, c'était un seul coup de gaz lacrymogène. Tout la mouissia, zaza. Ce n'est même pas, ils ont pris les positions comme les gens de l'UDPS, ils viennent avec de l'eau, avec le beurre pour s'appliquer sur les yeux. Non! Tout la mouissia, zaza. Même lui-même presse. Mangou yako saranate. Et donc, moi, c'est bien de marcher. Mais moi, je crois que notre peuple, on est à 61 ans. 61 ans d'âge pour un homme. C'est vraiment un homme adulte. C'est un homme de troisième âge. Je crois que nous devions arrêter de marcher pour les individus. Nous devions aujourd'hui nous lever pour marcher pour notre ventre. Aujourd'hui, nous devions nous lever contre la hausse du prix. Nous devions nous lever pour aller par devant la FEC, marcher to l'alikuna. Pour la première fois, c'est prix à poisson équita. Prix à biloko kolé équita. Il y a semoul équita. Il y a l'os équita. Le lengue gouvernement a saigné na bino. En tout cas, on ne peut pas continuer à marcher pour les individus. Et quand ces individus-là arrivent au pouvoir, ils nous oublient. Ils appellent leurs cousins, leurs frères, leurs soeurs de l'Europe pour les mettre dans le cabinet. Vous avez vu qui est-ce qui a été pris ici localement pour être placé dans un cabinet. Mais ils appellent leurs femmes, leurs copines, leur ceci, leur cela pour les mettre dans le pouvoir. Ils appellent leurs frères qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Donc c'est pour vous dire que peuple congolais, makambako tambola pona mutu, pona intérêt na ye, pona seni, pona loi boye, totika yango, to tambola siko pona bisomoko. Mayeyete, tozana likilikite, to tamboli, toke na SNL. Toke ko réclamer courant ezo na bakartier na biso. Toke na régie des eaux, ko senga mayezo na bandak na biso. Nzela na biso ya kimwenza e baby to telene biso nyoso bana yolo to tamboli to kei na OVD to kei na office de route to kei ko tambola pona makambo e talibiso makambo ko tambola batu botika yango botika to tambola pona social na biso. Joël Kadendanga, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie, cher confrère. Je rappelle ici que vous êtes patron de ce grand journal Impact News. Merci, cher confrère. Je rappelle également que vous êtes congolais des pères et des mères. Congolais de père et de mère, éligible à la présidence de la République et soutenant la loi Tchani, mais qui a déjà trouvé une solution, parce que pour être président de la République, il faut être congolais d'origine. Vous n'êtes pas démis Dakar.
Non, il faut être congolais d'origine. Ça veut dire quoi? Le maître, l'avocat qui a expliqué à Christian Bossembe. Congolais d'origine veut dire votre père, votre mère sont congolais. Donc il faut une sorte de double ethnie. L'émission est terminée. Merci encore une fois de plus de votre passage. Je vous en prie, cher confrère. Merci. Fin de cette émission à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.